Bon bah jour suivant. Hein. Oh non, le rapport matinal. Oh, il a une poussée de croissance. Je peux monter dessus maintenant. Oh oui. Ok. Ah, oh, va falloir le dresser et tout. Oh. Hey, tout le monde à son poste. Ah oh, non, non, j'ai pas du tout envie de dire à vos ordres. Ils sont terminés, ça c'est cool. Il me faut le pont. Rapportez-moi des matériaux bruts et je crée divers gadgets et objets dans mon laboratoire. Je suis sûr qu'ils pourront vous être utiles quand vous aventurez sur le terrain. Ouais! Des trésors, mais aussi des matériaux bruts. Oui. Allez, go. Ah, ça c'est pas mal ça. Je jette ça. Mais ça en vrai, j'achète aussi. Ok. Ok. Bon, on a tout pris. Oh, y a trop de touches, hein. Ouais, dressons. Dressage du chien sauveteur suit une logique transmise de génération en génération dans ma famille. D'accord. Ok. Mmh.
Morsure. On va lui mettre un peu de force. Ouais, un peu de force, ça peut être cool. Ah, l'auto-soin, ça peut être cool aussi. Ah, mais j'ai passé. Ouais. Non, mais de la force, hein. Ok. Ok, très bien. Je peux lui monter dessus ou pas? Non. Ah, c'est Y. Non? Non, toujours pas. Ouais. Terrasse ensoleillée. Oh, encore un téléphone. Capacité saut. Magnifique. Proche-toi de lui en appuyant sur Y. C'est exact. Excellent. C'est pas ça que je voulais faire. Y. Oh mais putain, j'ai pas eu Pikmin. Est-ce que j'ai vraiment besoin des givrants là? Pas spécialement, hein. Ah mais ouais. On va ramener les fraises.
C'est pas ça que je veux. Y. Le chien, il va pas dans l'eau, on est d'accord. Ah, oh, je peux pas monter là. C'est extrêmement décevant. Ah merde, putain, j'ai été obligé de faire tout le tour. Que je vais plus vite quand je suis dessus? Non, c'est pas ça. Je vais pas spécialement plus vite, hein. Allez.
Descartes. Excusez-moi. Je peux pas récupérer pour le moment. La plaque là, je peux pas en faire grand chose. Est-ce que je peux sauter par rapport à... par-dessus le pont? Peut-être. C'est de la merde les touchants. Ah, il y a une grotte là. Des dalles industrielles. On va garder 10 gelants, 10 gelants, mais... Je vois pas l'intérêt qu'ils aient mon là. Oui. Oh! Ça va être chiant! Ok. Y, permutation. Non? Comment ça marche? Je suis obligé de descendre. Pikmin jaune là. Ok, permutation. Mine électrique. Ils volent plus haut quand on les lance, ils sont généralement très forts pour creuser. D'accord.
Ok, donc permutation. Ah ouais, non, mais je suis encore bloqué là. Ouais, c'est de la merde ce que je viens de faire. Mais si, mais je peux faire ça. Ok. Par contre, je peux pas passer là-bas. Ok. Ah, ils sont bloqués. Forcément. Ok. Il me faudrait les jaunes, non? Ok. Derrière. Permutation. Je me trompe de touche encore, hein.
Merde. En fait, ils étaient bons. Voilà. Là, tu descends. Il y a des pierres là-bas. Ok. Oh, y a plus rien. Hein. Et ben on peut ressortir. Progression 50%. Ah, on est d'accord. Ok. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas ça que je veux. C'est pas ça non plus. Je me trompe sur toutes les touches. C'est infect. C'est pas ça. Hein. Comment je fais pour le charger? Ah. Faut qu'il saute. Oh, un canard.
Ok. Bien joué les gars. Blub blub blub. Hello, hello. Je crois bien que nous avons trouvé un autre membre de notre équipe. Dépêchons-nous pour vérifier son identité. Schnoz, cet expert en trésor renommé, a beaucoup voyagé. Son extraordinaire savoir a permis de développer une excellente IA d'évaluation. Eh mais ce n'est pas l'un d'entre nous, cela... Qui cela peut-il bien être et comment a-t-il atterri ici? D'après son badge d'identification, il est expert évaluateur de trésors. Qu'est-ce qu'il vient faire sur cette planète? Oui. Allez, un objectif de plus.
Comme si ça ne suffisait pas de devoir retrouver le capitaine Olimar et l'équipe de secours, il y a aussi des civils égarés sur cette planète. Alors il faut sauver tous les naufragés que tu trouves. Bon, on rentre à la maison, hein. C'était où la sortie déjà? Là. J'ai un point de motivation. Exploration terminée. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire là? Quel est le problème? Oh, je vois. Les Pikmin ne veulent pas te suivre à la surface. Il semble y avoir des restrictions quant au nombre de Pikmin et au type que tu peux avoir à la surface en même temps. Non, mais c'est bien comme ça, 10, 10, 10. Est-ce que je peux aller chercher l'horloge là avec les Pikmin jaunes? Non, ça a pas l'air. Comment je la récupère celle-là? Si je descends. Comment je la récupère celle-là? Elle me fait de l'œil, hein. Le oignon est nourri. Là, je peux pas monter. Je vais rechercher Pikmin jaune, on sait jamais. Pas les envoyer derrière, ce serait trop beau.
Ouais, je sais. J'arrive. Eh ben, fin de journée. C'est cool, Pikmin. Vraiment cool. Ça révolutionne pas le genre, mais. Ouf, ouf. Ok, terrasse ensoleillée, on est passé de 13 à 26%. Ma foi, le vaisseau de Limer s'est propagé dans tout l'espace intersidéral. Fallait s'attendre à ce que ce message attire l'attention d'amateurs d'aventure et les incite à venir ici et à sa recherche. Et en tant qu'équipe de secours, notre devoir est à présent de les sauver tous. Voilà un enthousiasme qui me plaît. Bien sûr, à mesure que nous accomplirons des sauvetages, le camp de base risque d'être de plus en plus encombré. Colin, il va falloir que tu développes et étendes votre camp de base. À vos ordres, capitaine. On va pas se mentir, non, c'est un peu le camoulox.